La police nationale d'Haïti rive fait un gros coup de filet côté yo arrêté deux gangs Carrefour Marin. Gang sa yo opéré dans Carrefour Marin et yo arrêté yo avec un zam à fe nan men yo. Non yon nan de yo c'est Desius Jameson qui gagne seulement 29 l'année. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, jeune garçon si là, li spécialisé dans trafic zam à fe, vol ak association criminelle. Yo arrêté nan Pétionville. Et bien tout, li se yon nan moun ki domicilé nan route de frère. Par la suite, li se membre yo gang qui a travaillé nan Carrefour Marin commune de la Croix des Bouquets. En même temps tout, la police rivé arrêter Lucien Thomas. Lucien Thomas, c'est un chauffeur taxi moto, li c'est membre gang Dia et lui même tout li gagné 39 l'année. Li rete exactement dans Marais 23. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Lucien Thomas t'est arrêté pendant que li t'a pral porter fusil Mac IMI calibre 9 mm, une série de 09 30 81 by Desius Jameson. Desius Jameson, qui lui-même était déjà arrêté par la police dans même matin ça, dans la commune Pétionville, 20 juin 2023. Mesdames, messieurs, actuellement, moun sa ou nan prison en attente d'action légale qui nécessaire. Mesdames, messieurs, d'une autre part, nous gagnons tout journée mondiale fonction publique. Yo, côté que yo gen pour célébrer 23 juin, yo t'a fêté la veille date ça, Direction nationale Livre DNL t'a organisé une activité depuis 21 juin. Directeur là qui c'est Joseph Camille dépassé, li t'était dans occasion ça prêcher tête ensemble. Eh bien, mesdames, messieurs, nan mitan tout petit paysan qui pourrait capable permettre Haïti sortir dans situation difficile que a traversé jeudi. Directeur régional Nord APN Pierre Richard Joseph, que malheureusement nèg exam t'est arrivé kidnappé samedi 17 juin 2023 dans capitale paysan, toujours nan Meravise jusqu'à présent. Employé APN au Cap, continue à manifester, on le fait encore dans ville au Cap pour exiger libération directeur. Coordonnateur Uniforce, le Paul Denis, a critiqué la communauté internationale qui a fait acteur tourner en rond sous prétexte que yo a cherché solution crise. Ancien sénateur là qui lui-même accusé autorité américaine yo dans insécurité qui gagné en dedans pays là côté que yo critiqué mauvaise foi internationale là qui vraiment pas comprendre niveau souffrance population. Dans notre bois nous gagné porte-parole consul évêque protestant d'Haïti qui c'est Jean-Renel Demeus t'a plaidé en faveur tête ensemble dans mettant tout secteur là pour retirer pays d'Haïti dans situation que lui trouvait aujourd'hui là. Nous gagnons pasteur Demeus qui posait cette question tout qui responsabilité autorité qui n'était pays en gagné face avec crise politique là sécurité et humanitaire qui gagne là actuellement en dedans pays depuis un bon bout de temps. Mesdames, messieurs, gagné porte-parole consul évêque protestant d'Haïti Jean-Renel Demeus qui qualifie bouivide élection pour réélu pasteur Calix Floridon en tête Fédération protestant d'Haïti. Pasteur Demeus fait connaître que consul et évêque protestant d'Haïti yo pas impliqué ni de loin ni de près dans l'élection si là qui lui-même était comme seul objectif qui s'est remetté pasteur Calix Floridor dans cette fédération. Nous gagnons association nationale greffier haïtien yo ANAG qui annonçait que yo prend une trêve dans grève qui était lancée depuis 7 mars 2023 passé et en attendant yo attend gouvernement satisfait aux revendications yo et on souhaite que autorités concernées entendent la raison sinon yo va retourner en grève dans le mois d'août qui va venir pour venir là. Mesdames, messieurs, c'est comme ça information yo a déroulé hier j'en étais connel c'était journée internationale musique n'après une courte pause là la prend avec musique ça qui c'est I love my country. Yon pays qui fin crasé l'aime de petit. Expression ça pas de gain sens pour moi malgré le en créole. L'amour te kon partager avec zanmi yo, pas de bon temps pour me chercher comprendre tout. L'aime vin voyager, j'aime commencer l'ouvrir sur quelque réalité. Même te vin piper réalité ça yo. M'pas t'envie comprendre. Après 10 ans dans pays l'étranger, malgré toute mauvaise nouvelle, nostalgie exige me vin visiter pays. Et c'est là on commence à regretter qu'il me dégrandit. Plutôt que de regretter.
nap suspend fait caca. Semble une pas foudre un état. Merci, politicien, merci, bourgeoisie. Pour tout ça qui fait nous mal, yo. Ton écrasé mou vous mettre fou pété fiel. Nous prenons tout bagaille pour blague, pas de la bataille entre nous. Nous pas engagés, nous n'a rien qui est important pour nous. Depuis, c'est pas, pour chou qui t'aime le wa kidnapping. Just pour la ou ka, te kyo qui t'aime le wa pay show. N'a clé ou ne manifeste, ma de justice pour Jovenel. Pas de cet an, juge de paix pour qu'on fait constat de saline. Est-ce que t'es nos droites, qui justice n'a pas cherché là? Abraham gen pour lui dire ta sena va foutre si span rassé là. I love my country, je t'aime. Ti pays ça, qui l'aime n'a pas suspend fait caca. Semble n'a pas foutre ou en retard. Merci, politicien, merci, bourgeoisie. Pour tout ça qui fait nous mal, yo. Ton écrasé, mon goût, mettre fou, pété. L'avocat fonctionne, moun prend ligne ou sardine. Pas d'un bac, machin, bac à poser sous grand riz, oh Jésus. Bagay, ça fait rire. I just fucking love my country. Qui est? Qui est qui vrai gangster? Qui est? Qui est qui pour Gongon? Village de Dieu, grand ravine, 400 maroso. Bonsoir tout le monde, vous êtes tous les bienvenus sur votre chaîne avec René Thomas pour vous servir. J'ai été annoncé tout à l'heure, 23 juin qui va gagner pour venir là, qui va marquer journée mondiale fonction publique là. Et bien la veille d'ici là, direction nationale livre DNL qui organise une activité dans Port-au-Prince mercredi qui était 21 juin 2023. Directeur AI DNL là, qui c'est Joseph Camille, li Camille dépassé, li te font et tu parlais dans occasion ça côté que tu as prêché tête ensemble dans mitan tout petit pays pour permettre Haïti ta sorti dans situation difficile que li a traversé journée jodi là. Joseph Camille dépassé tes dans micro. Au nom de cette participation que nous capables résoudre les grands défis, les grands problèmes auxquels fait face la famille haïtienne. Pour famille avancer, il faut qu'il y ait des sacrifices de part et d'autre. Pour les dirigeants, nous autres qui avons le privilège d'être de ceux qui dirigent, qui participent à la gestion de cette nation si orgueilleuse, si fière, si triste à ses heures. Il faut que nous apprenions que ces frères noyés, c'est notre famille qui est actrice. Je regarde sa comédie, sa tragédie, parfois ça me fait pleurer, rarement ça me fait rire. Donc, si nous ne connaissons que pour nous mettre tête ensemble, pour nous faire face à défis difficiles, ça, il n'y aura plus que des pleurs. Je ne vous parle pas en tant que vieux, mais en tant que magicien. Des rêves perdus, des illusions, mais on est en train d'assister à quelque chose qui mérite d'être regardé, regardé avec des yeux d'adulte. Et heureusement, Haïti, son famille. Nos familles a toujours joué dans le monde, en tonton, en soeur, en grande, et en voisinage. Parce que le voisin, il est aussi de la famille. Le bon voisin. On est toujours capable de venir nous, qui pour porter mot de conseil. À ce carrefour difficile de la destinée de ce pays que j'aime. Qui me prête pour sacrifier tout le bagage pour lui. Je pense que nous faisons pour nous faire un bac, pour nous camper pour nous. Il faut que nous vivions ensemble, vraiment. Je refuse de m'aventurer dans toute tendance démosthénienne, parler cours français,
Mais l'on discours. C'est fêter, nous venons fêter. Je vais rentrer dans un bon gros mot, les grandes définitions, les grandes philosophies, celles qui font pleurer, celles qui font rire. Il a été une année difficile pour tout le pays, à un niveau ou à un autre, parce que tout le monde le saute en vélo. Et heureusement, à la DNL, en dépit des faiblesses des uns et des autres, on a une équipe responsable. Je vais encourager nous, malgré tout mauvais moment qui est passé. Dans l'année, il y a problème kidnapping, problème l'homme mort, problème petit pas à l'école, problème pas touché, les mille et un problèmes auxquels vous avez eu à faire face. Vous avez su la surmonter dans la dignité. Et c'est l'essentiel. Sans plus tarder, nous gagnons Judith Pierno. Judith Pierno, il est représentant OMRH là, dans l'activité si là. Il fait qu'on est que Journée mondiale fonction publique là, c'est bien sûr une occasion pour mettre en valeur fonctionnaires dans l'administration publique là. Représentant OMRH là, fait qu'on est que gouvernement prend engagement pour poursuivre progressiste modernisation administration publique là. Pour l'État capable plus efficace. Judith Pierno, t'es dans le micro pour plus de détails. Suivant une résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2003, la date du 23 juin a été consacrée Journée mondiale de la fonction publique. Chaque année, les États membres de l'ONU célèbrent cette journée à travers des événements spéciaux pour souligner la contribution des fonctionnaires. Cette journée a pour but aussi de souligner la contribution de la fonction publique au service de l'intérêt général, de mettre en valeur le travail des fonctionnaires et d'encourager les jeunes à faire carrière dans la fonction publique. En effet, dans le souci d'une fonction publique efficace, d'une part, par son professionnalisme et réellement au service des populations, d'autre part, par son rôle, le gouvernement haïtien poursuit l'engagement dans son programme de modernisation de l'État à rénover la fonction publique, suivant l'axe 3 du pilier 1 de ce programme. L'administration continue l'amélioration de la gestion des ressources humaines dans une fonction publique revalorisée, plus attractive et plus compétitive, respectueuse de l'égalité des chances, de l'égalité des sexes et de l'équité du genre, des droits des personnes handicapées et à besoins spéciaux, des principes de déontologie et d'éthique, de la promotion du mérite et de l'excellence. La fonction publique regroupe l'ensemble des agents publics ayant la qualité de fonctionnaire. Alors là, je dis cette citation, ça vient de l'article 9 du décret portant rénovation sur la fonction publique. Il faut voir aussi une structure, un statut, une mission, un comportement et même un état d'esprit. La fonction publique est doté de principes et de lois. Et chaque fonctionnaire est soumis à des règles strictes dans l'exercice de ses fonctions. Comme tout citoyen, le fonctionnaire dispose des droits fondamentaux constitutionnels. Par exemple, la liberté d'opinion et d'expression garantie par des textes fondamentaux. Cependant, déontologie et éthique vont avoir pour conséquence d'en réduire ou encadrer l'exercice au nom d'exigences liées à la qualité du service public, à sa neutralité, à l'impartialité, à l'égalité des citoyens et aux qualités que l'on attend d'un serviteur de l'État ou d'une collectivité publique. Loyauté, intégrité, moralité. Ce dernier sera ainsi soumis à des devoirs ou obligations qui limiteront ses droits fondamentaux. Devoirs de réserve, d'obéissance, loyauté, impartialité et neutralité. Moralité, discrétion et respect du secret professionnel. Donc, pour la fonction publique soit plus attractive, plus ouverte au service de l'efficacité de l'administration, il faut une remise en cause sur les comportements, les pratiques de travail et les actes non éthiques. À ce sujet, il est important d'aborder la question de l'éthique et de la déontologie. Connaître les principes d'éthique et les règles déontologie sont importants dans la mesure où tout ce que l'on fait dans la vie ou dans l'exercice de son métier, on s'appuie parfois sur un référentiel, sur des règles ou des valeurs. Aussi, la compréhension et l'application de ces principes permettent à l'agent public de bien remplir sa mission en intégrant ces normes dans leurs pratiques de travail au quotidien. Les agents de la fonction publique sont soumis à une série de règles et de normes
dont on va en prendre connaissance, ou bien de les revoir. Les deux qui nous concernent le plus, c'est le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique et l'arrêté du 11 avril 2013 définissant la règle déontologie applicable aux agents de la fonction publique. Et voilà, employés APN au Cap yo manifesté une fois encore dans ville au Cap pour yo capable exiger libération directeur régional No Pierre Richard Joseph Koenig Axam dérivé kidnappé 7 juillet 2023 dans capitale pays. Nous voulons rappeler pour vous que Ravi Sérieux m'a dit en faire de 1 million de dollars américains pour libérer Pierre Richard Joseph. Eh bien, gagné si on s'y cru que vous avez chance tant de là actuellement. Poursuite mobilisation employé à PNU pour demander libération directeur régional du roi Pierre Richard Joseph kidnappé samedi 17 juin 2023 dans capitale pays. Employé au campé travail pour exiger libération pressé directeur Pierre Richard Joseph. Côté demandé pour autorité centrale capable de faire diligence pour bailler directeur rapido presto. Autorité portuaire nationale victime plusieurs fois. Je crois ça pour 7e acte que a kidnappé. Et je dis à nous respecter ça nous le code international là, nous respecter loi d'amour et pas trop travail. Mais ça revient nous de loin que l'appel. Ouais, je dis à son arrêt de travail. On s'estime que l'appel pour nous, voyez mes salaires à l'état central là pour nous dire communiquer avec ravisseur pour nous libérer directeur. Ouais, et l'autre étape que nous avons fait. Selon vous, l'état central en communication avec ravisseur? Ah, nous-mêmes nous ne parlons pas, mais nous te voyez mes salaires à l'état. Nous disons qu'il y a une négociation qui a fait, mais nous ne parlons pas dans quel niveau de négociation arrivé. Ouais, mais nous voyons que hier, monsieur Vobio était kidnappé, il n'a pas pris attention avec lui. Il s'est pris attention avec Pierre Richard Joseph pour ne pas la guérir. Ouais, pour ne pas la guérir. Et nous employés là dans nos syndicats à PNK, que nous-mêmes, nous prenons la pouvoir pour nous dire que le message est clair. Ouais, voyez, retournez, puis nous prenons au café, l'État central appelle. Nous carrions les ravisseurs, au café, voyez, directeur Pierre Richard Bano. Nous avons rappelé, ravisseurs ont exigé 1 million de dollars américains pour libérer directeur Pierre Richard Joseph. Syndicat employé à peine au cap haïtien, fait qu'on est, il pas mettre dans le travail tout autant. Yo pa wè présence directeur Pierre Richard nan bureau li comme directeur vin travail normalement depuis Cap Haïtien Guino Duvernay pour taxe 609. Syndicat chauffeur taxi moto mélange avec moun nan population Gonaïve nan rive bloqué route nationale numéro 1 nan niveau route d'ap principalement devant pompe gaz Goan. Bien bonheur le matin depuis mercredi 21 juin 2023. Objectif mouvement si là c'est pour forcer responsable pompe Goyo relouvrir pompe yo et puis vendre gaz là nan prix que l'état en soit fixé. Nous voulons rappeler pour que depuis après notre direction départementale ministère commerce te fait sortir hein, côté que te mandé pour galon gaz yo vendre prix normal, diverses stations gaz déjà fermées dans ville Gonaïve, comme quoi que pas ta gen gaz dans système yo, autorité yo, dans mairie Gonaïve, commissaire gouvernement, commissaire police avec délégation départementale la Tibonite, tenant là ou presque chaque jour pour visiter pompe gaz yo et puis saisir des puces gaz qui a vendre dans contrebande. Mardi 20 juin 2023, la police avec juge de paix te rive saisi 17 gros doum gaz. Donc, m'a invité au Kounyan pour suivre ensemble avec moi qui j'ai saté en bas yon nan pompe goyo. La population nous gagnons société civile dans la commune d'Issis. Eh bien oui, d'Issis qui t'a fait choix de 3 mounes environ pour venir représenter la commune qui gagne environ 2 ans depuis que yon levé dans la commune sous ancien président Jovenel Moïse, d'après Eleonor Jean Gaudi, coordonnateur Kazek dans la commune Torbeck, déclaration côté que l'IFE connaît que société civile dans la commune d'Issis
Dizis de Téchita ensemble avec délégué départemental Sud-Lan, maître Quetnor-Estainville, sous dossier cela déjà, yon correspondant, déjà jeune autorité dans ministère concerné yo, et pour capable mandé avec premier ministre Ariel Henry prend responsabilité dans dossier cela. Sans plus tarder, nous gen coordonnateur Uniforce lan, Paul Denis, qui t'a critiqué communauté internationale lan, qui a fait acteur yo tourner en rond sous prétexte que yo a cherché solution crise. Ancien sénateur lan critiqué mauvaise foi internationale lan qui vraiment pas comprendre niveau souffrance population. Paul Denis, t'es dans micro. Les États-Unis d'Amérique mettaient un embargo sur les armes dans le pays. Nous constatons, malgré l'embargo, les responsables du pays qui doivent assumer, garantir l'ordre public, la sécurité des vies, des biens, des investissements, ils n'ont pas mis à la disposition de la police pour faire face à problèmes d'insécurité que le pays a traversé. Les armes ont sauté aux États-Unis d'Amérique, qui ont rentré dans le pays à ta cour, qui ont rentré dans le jardin. Ça, c'est pas moi qui dis seulement, non? Et les Nations Unies sont épinglées, là, en prise de position, ils sont épinglés les États-Unis. C'est aux États-Unis que la grande majorité des armes qui ont rentré dans le pays, c'est là où ils sont. Ils passent dans l'aéroport américain, ils passent dans le port américain, ils passent dans le douane américain pour rentrer là. Alors que c'est les responsables de l'État qui doivent acheter un fusil aux États-Unis. Donc là, il faut nous comprendre bien, nous ne pas égarer. Il y a une volonté au niveau de certains grands ténors internationaux pour détruire le pays. Et nous avons tout, madame qui était madame Laligne, qui était représentant des Nations Unies, nous avons qui rôle jouer pour réunir les gangs, ça y est, les G9, et gangs, l'Elfin Bay, tout support pour yon te ka rencontrer, pour yon parler, pour yon négocier, pour yon mettre tête ensemble. Et peut-être un mois ou deux mois après, il fait déclaration pour lui montrer comment gon amélioration. Parce que justement, c'est un gang qui met ensemble. Donc là, l'Hitler, nous, est la main de l'international, de ce grand ténor de l'international, dans les problèmes qu'on a confrontés là, dans le pays. Pour le vivre, pour le mettre la tête. Pour nous résoudre le problème pays, ça, il faut nous récupérer souveraineté, nous. Je dis à n'a fonctionné tout et nous dépend de grands ténors internationaux. C'est eux qui connaissent ça bon pour nous, c'est eux qui connaissent ça mauvais pour nous. Par exemple, à un moment, les citoyens et les citoyennes qui bouquaient, qui pas qu'à vivre en bas férule bandillons, ils allaient joindre la police, ils ont porté concoubali pour une bataille, on prend compte bandit. Immédiatement, au niveau de l'international, ambassadeur téléphoné, chef ici, pour dire ça va possible, pas moun yon rentrer. Bandit ça, yo faut y avoir protection. Mais moun yap touye, moun yap violé, yo pas gen protection, non? Là, yo besoin l'État, là, yo besoin les forces, on prend qui pour protéger ou défendre, yo pas joindre yo. Nous pas accepter pour ces moun qui pas subi, ça n'a pas subi là. Moun qui gen responsabilité. Responsabilité, le sac à fête là. C'est pas yo pour dire qui s'est bon pour nous, qui s'est pas bon pour nous, et puis pour nous obéir, pour nous faire frapper bien la terre, pour nous dire nous parler, nous parler, rester avec, nous parler, puissance de yo qui pour dire ça bon pour nous, ça pas bon pour nous, mais ça bon pour nous, et en encore Paul Denis, coordonnateur Uniforce lan, qui longe doit être sous autorité américaine yo, li dit qui complice dans l'insécurité qui gagne dans le pays d'Haïti là, côté que complicité ça, c'est ta majorité zam yo qui nan men gang yo parce que sorti aux États-Unis lorsque yo interdit PNH lan acheter zam. Ancien sénateur rappelé pour nous que c'est ancien chef Binuan qui te fédéré gang yo dans le pays qui donc d'après lui-même international là gagne une volonté réelle pour détruire pays. Paul Denis, t'es dans micro. International, là, associé avec de comparses nationales, ils entreprennent pour détruire le pays. Dans ce projet, ils ont gagné une technique, ici, nous, les dilatoires. Ils prennent l'habitude pour faire mon la montée des sangs, comme quoi, ils ont réglé un bagage. Comme quoi, ils ont gagné une volonté pour aider pour résoudre le problème qu'on confronté. Alors que, en réalité, nous-mêmes, nous, cette kyriel de pays au niveau de l'international, ils n'ont pas gagné aucun désir, ils n'ont pas gagné aucun souci pour que pays ça et problème ça n'a confronté jodi à la le pays qui détruit pays a, qui mettait la terre plate. Eh ben il y a pas aucun souci pour problème ça résoudre. En attendant, il a fait dilatoire. Il s'est réuni mon Jamaïque pour Raymond faire grimace comme il y a là, il continue il a pas déplacer, aller ici, aller l'autre bord sans que il pas prend un moment pour y réfléchir sur souffrance population haïtienne à endurer la journée jodi à là, non pas ouais, qui joue, qui l'est, n'a pas gagné de monde cap de facto, puisque yon men
mène nous dans une situation côté nous en dehors de la Constitution. Donc, c'est pendant nous dehors la Constitution hein, pour nous prendre des dispositions, pour nous prendre des mesures qui pour permettre nous retourner aussi vite que possible la normalité constitutionnelle. Mais bah, on a un cap fait là, la journée aujourd'hui là, qui permet moi espérer que l'on va venir pas trop lointain, eh ben, n'a pas retourné, n'a pas bien temps mettre institution en place pour nous fonctionner comme un pays normal. D'abord, sommaire. De toute façon, avant sommaire lui-même était déroulé, et nous avons dit son dit là, trois, quatre fêtes là. Nous gagnons de autorité dans le pays. Il y a en face un gros problème d'une gravité extrême qui est l'insécurité. Il y a dit, il y a reconnaître qu'il n'y a pas en capacité pour y régler, résoudre ce problème d'insécurité qui vient dans le pays. Il a adressé aux Nations Unies, demandé pour aider, résoudre le problème. Nations Unies pour la question, hein, les virer, les tunnels, les virer, les tunnels, les dit lui-même, il n'y a pas qu'à faire absolument rien. Et lui demandé pour que Haïtiens régler problème yo anti yo même. Yo fin dit ça, ça fait des mois. Eh ben, qu'on y a là, yo mette l'en tête dirigeant yo, eh ben, si yo allé, et puis yo mette l'en tête, on prend une série d'hommes et de femmes politiques, yo, si y a les Jamaïques, yo ka jwenn une solution. Bon, y a les Jamaïques. Nous connaît problème pays ya. CARICOM pas capable parce que gain de gros autobrés qui yo même c'est yo créé situation avec de complices d'un pays tant au niveau politique qu'au niveau du secteur économique. Donc c'est yo qui créé problème ça et yo pas couvert les problèmes dans les autres. Là yo voyait le Jamaïque, j'ai compris que c'est dilatoire qu'a fait et effectivement c'est dilatoire qui fait l'autre bois. Et après cette réunion à la Jamaïque qui ça pour mon passé que moi m'a passé gain un cap sauté non dilatoire toujours. Ça plus tardé, pendant commencement semaine, t'es gain bricouri, comme quoi que, pour aller gain changement dans la tête police nationale, là. Coordonnateur Sinapoa, qui lui-même t'a préagi sur dossier ça, lui rappelait que, oui, toujours gain en pile parler comme ça, à chaque fois, que, pour aller gagner, yon l'autre que directeur, là, dans la tête PNH, là, pour aller bailler. Lionel Lazare, t'es fait connaître que lui-même, lui parlait pour X, pour Z, ni penser que si toutefois t'as gagné un nouveau DG dans tête PNH là, l'État doit venir travailler toujours dans intérêt institution à population. Lionel Lazare, t'es dans micro pour plus de détails. Toujours qu'on s'allie à chaque fois que y a annoncé par le changement, surtout dans la direction générale de la police, gagné plusieurs noms qui a cité. Et des fois, ça qu'on vient poser petit problème dans mi-temps, monde qui fait partie de l'état-major. La police là des fois qu'on gen ti mal à l'aise nous même nous croyons que c'est pas nous même qui te mette bon nous pas gen pouvoir pour mettre ton directeur général de la police ben c'est que même moun qui gen pouvoir qui pour nommer un directeur général de la police qui pour mettre ton chef de la police ben c'est que même moun ça à n'importe le si toutefois que directeur général là pour mandat gen elle capable de décider et mettre un autre monde en place li. Ça va dépendre de politique que li a mené. Nous même au niveau Sénapoa, nous pas gagné pour nous opiner trop sous choix on directeur général de la police. Nous pas gagné pour nous parler de pour ou contre on directeur général de la police toutefois que t'a font choix. N'a seulement été là pour nous observer, pour nous garder profil moun que y a prend comme directeur général de la police. Si toutefois que y a bien changement vrai dans tête la police là. Mais pour ça qui gère avec question division ou dit qui gagne dans au commandement de la police. Ah bon, c'est toujours comme ça lié, c'est toujours comme ça, toujours gain petit parle en pile ça, toujours gain petit problème que au niveau au commandement chaque fois que m'dou pral gain changement. Par contre, si y a bien changement, mais si toutefois t'as un changement, nous même au niveau Sénapoa, c'est une situation que nous ouais, que monde qui va venir, il porte des changements en dedans institution. C'est ça que nous voulons et nous mêmes. Mais nous pas pour ni X ni Z si toutefois que ils décident de mettre un autre directeur et général dans tête institution policière là. Sans plus tarder, nous avons conçu l'évêque protestant haïtien qui dit que il constate des situations paysan vraiment à continuer détériorer chaque jour plus. Côté coup d'amio pas suspend chanter dans diverses zones. Et bien bandio qui t'a vinn puis arrogant tout conçu l'évêque protestant haïtien poser tête question
qui responsabilité autorité qui dans tête pays a gagné face avec crise politique si la sécurité humanitaire avec tout ça l'autre bagaille qui t'a gagné dans pays depuis un bon bout de temps. Jean-Renel Demeus qui se porte-parole consul évêque protestant haïtien mandé avec tout secteur dans vie nationale en soi rentrer sous plein dialogue pressé pour construire une unité multisectorielle pour y joindre une solution dans crise si la. Jean-Renel Demeus était dans micro. Ça fait longtemps que nous vivons dans une situation exceptionnelle dans le pays d'Haïti. C'est tout côté que les âmes ont chanté dans toute zone métropolitaine. C'est gang qui fait la loi. Nous demandons côté moun qui a gaspillé l'argent de l'État qui dit que c'est autorité. Grand goût a coupé trip peuple. Moun yo a pas qu'à vivre la caillou. Peuple a tourné immigrant dans propre pays. Conseil des évêques protestants d'Haïti dit c'est trop à tort. Nous bouquet ak moun sa yo. Nous bouquet compter cadavres. Nous bouquet ak kidnapping. Peuple a pas épargné et même policiers pas épargné. Messieurs dames, nous méchants, nous malhonnêtes. Nous pas ta fait peuple à ça. Nous fait accord sous accord pour nous finir avec peuple à pire. Opposition mettait à pouvoir. Dernier complot qui fait sous peuple là. Bagay HCT t'est organisé dans Caraïbes avec mascarade qui sont fait qui sont fait dans Jamaïque là. N'a demandé peuple haïtien c'est pour lui vigilant pour lui pas prendre dans complot ça. Conseil des évêques protestants d'Haïti a demandé à tout vaudouisant syndicat travailleur journaliste conséquent et latrier en nous mettez tête nous ensemble pour nous construire une force nationale pour nous retirer pays à côté y trouver là. Tout secteur dans la vie nationale là, sans distinction, secteur protestant ou gen responsabilité ou dans sa capacité là. Si nous pas dégager nous, nèg ak fam ici a fini ak nous. Conseil des évêques protestants d'Haïti a demandé pour tout secteur dans la vie nationale là, rentrer dans un dialogue pressé pour nous. Entre nous, pour nous construire une unité multisectorielle, durable ou permanente, pour nous réfléchir, pour nous joindre ensemble solution, même Jean Toussaint à Dessalines, Pétion, pour nous retirer nous en bas esclavage, nous connaissons ça pas facile. Ça qui est bon, pas facile. Nous, Conseil des évêques protestants d'Haïti, nous demandons tout l'autre secteur dans la vie nationale là, pour joindre avec nous sans nous pas oublier diaspora. Vive l'unité, vive Haïti, vive tête ensemble. Nous avons porte-parole consul l'évêque protestant d'Haïtien, Jean-Renel Demeus encore, qui qualifie Bouyvide élection ça pour réélu pasteur et Fleuridor dans tête protestant d'Haïtien. Pasteur Demeus connaît que consul évêque protestant d'Haïti pas impliqué ni de loin ni de près dans l'élection si là. Il dit que il était comme seul objectif remettre pasteur Calix Fleuridor dans tête fédération. Jean-Renel Demeus pour plus de détails dans micro. Pasteur Calix prend parce que nous-mêmes nous pas délégué pasteur Calix, ça veut dire responsabilité pasteur Calix, li personnel avec pasteur Calix Leudor. Le Conseil des évêques protestants d'Haïti pas gain rien ni pour le reprocher ou pour le pas reprocher tout parce que nous pas engagé, nous pas voyer, nous pas délégué dans HCT. Dernier jour fait tout ligue ba Calix encore nous dit nous pas engagé, nous pas participer dans l'élection ça. Non, Conseil des évêques protestants d'Haïti pas participer dans l'élection parce que nous te font constat, nous te estimé que son bagay bouille vide que tu as fait, nous pas obligé entrer nous dans la logique ça. Le conseil des évêques a critiqué ensemble apport en fait, m'a dit je t'ai pas demandé pour déboucher sur l'autre apport mais sur qui ça? Non,
Et si nous avons besoin de déboucher sur l'autre accord, nous avons dit clair. Nous ne faisons rien en battable et nous avons dit tout bagaille clair. Nous disons aujourd'hui, ou même qui journaliste qui est là avec nous là, aux victimes. Secteur protestant, les victimes. Vaudouisant, les victimes. Et nous toutes victimes. Pas une personne qui a été satisfait pour dire que bon, on n'est pas victime. Nous toutes, nous sommes seuls bateaux. Et si nous sommes seuls bateaux, bateau a plongé, il faudrait dire que nous toutes, nous mettons tête nous ensemble. C'est ça que le Conseil des évêques protestants d'Haïti a demandé. L'unité avec vaudouisant, franc-maçon, et prêtre catholique, tout le monde, journaliste, conséquent, syndicat, société civile, c'est nous tous ensemble qui pour construire force à nous demander là, pour nous retirer le pays dans un dialogue franc, sans hypocrisie. C'est ça que nous demandons. Ok, est-ce que vous pouvez nous donner une initiative pour nous prendre dans ce sens? Oui! Nous avons une initiative après la conférence de nous avons annoncé. Ça, justement, nous annoncer. Et nous allons passer à l'action pour nous faire une bonne garantie. Pour lier mon secteur, nous allons chercher, c'est Vaudouisant. Pour montrer que le secteur Conseil des évêques protestants d'Haïti n'est pas dans l'hypocrisie. Nous avons tout Joseph Domingue Orjela qui est un proche pouvoir, il a confirmé que il y a une liste non différente secteur là envoyé par le gouvernement pour transmettre par HCTA pour formation KEPA Jacques Desrosiers pour secteur presse Jimmy Albert ancien ministre jeunesse pour là Newton Saint-Just et bien c'est quelques parmi nous qui t'a inclus dans liste ça d'après ça que Joseph Domingue Orjela qui lui-même fait connaître que c'est HCTA en soi qui va gagner pour choisi 9 sous 20 personnalités qui pourraient le former KEP. Donc, Joseph Domingue Orjela, t'es dans micro. Il y a un ensemble de secteurs qui viennent pour soumettre nos bails au gouvernement. Le gouvernement a pour sélectionner ou choisir 20 noms pour le voyer par HCTA. Et c'est HCTA lui-même qui pourrait pour mission pour lui arriver choisi 9 monde qui pourraient faire partie des conseils électoraux provisoires. Alors, si on liste qui dans la rue, oui, on est un ensemble de secteurs qui te soumettent le nom des personnalités, par exemple, et secteur presse te soumettent le nom de Jacques Desrosiers comme personnalité. On est effectivement, et Jimmy Albert sur une liste. Par contre, il est sur la même liste que moi-même, ouais. Moi, qu'on est gagné, Nadège Bouville, moi, quand moi, ils sont liés, et moi, qu'on est dans pile l'autre monde, secteur paysan désigné monde, secteur syndical désigné monde, secteur vaudou désigné monde, il y a un pile secteur qui désigné monde, et ça vient d'ailleurs au total de presque 25 à 26 personnalités qui sont liés, qui sont sortis. Mais dans liste, ça, le gouvernement, il y a pour lui choisir, et 20 non-personnalités, selon accord 21 décembre, pour lui voyer, ben, HCTA, et c'est HCTA capable pour faire suivi, pour permettre d'identifier, sélectionner 9 mondes qui pouvaient faire partie du conseil électoral provisoire. Et il y a une certaine authenticité, mais il y a des noms dans nos cités, on a une liste qui est dans la même cité. Non, parce qu'il y a des noms cités là, il y a une liste. Et je connais effectivement non Jimmy Albert, je connais non Nadège Bouville, je connais non Jacques Desrosiers, je connais non et plusieurs autres mondes encore qui m'a besoin de citer tout là, même, car on va liste là-bas, mais sans qu'à confronter la liste qui est dans mon. Présélection, c'est l'ensemble des secteurs qui désignent les mondes, qui désignent les mondes. Présélection va commencer à partir de le gouvernement choisi 20 mondes. Ça, son premier présélection, pour avoir une deuxième présélection, c'est le HCT a choisi 9 mondes. Quand on a un secteur syndical, on a demandé comment choisir les mondes. Quand on a un secteur paysan, on a demandé comment choisir les mondes. Quand on a un secteur droit, on a demandé comment choisir les mondes. C'est eux-mêmes, c'est pas moi. Moi-même, comme responsable du Conseil national de société civile, là, nous travaillons avec un ensemble de secteurs, nous travaillons avec la CAIO, nous devons désigner des mondes, nous-mêmes, nous ne connaissons pas. Qui ont désigné les gens qui ont mécanismes pour utiliser. Et oui, coordonnateur général initiative citoyen, famille Garnier Lidan, Garnier Lidan lui-même qui plaide en faveur unité dans mettant toute force nation pour être capable de payer dans la situation que lui trouvait aujourd'hui. Garnier Lidan lui-même t'a fait connaître que pays en soi pas capable encore population en bouquet en bas grand gros chômage avec insécurité kidnapping et latrier. Lui encourager tout avec premier ministre Ariel Henry pour capable rejoindre une classe politique là pour être capable élargir un consensus de façon pour être capable mettre en bout notre crise gagner l'identité dans la micro. La crise qui l'a depuis ce président Jovenel Moïse et président Jovenel Moïse assassiné crise à l'identité
et avec le premier ministre Ariel Henry qui est là. Et nous, pendant deux ans, il a cherché un consensus pour être capable de vivre dans le pays avec les élections. Et dans un mois encore, alors dans quelques jours encore, quand il fait président Jovenel deux ans, depuis le mourir, et 20 juillet, quand il fait premier ministre Ariel deux ans sous pouvoir, chaque jour parle de consensus, chaque jour parle de dialogue, à quoi soit encore par un mois, rien qui est fait. Et comme je dis à planter Météo-Chita dans le pays de Jamaïque, de garder qui ça va être capable de faire, et malgré ça encore, pas de rien qui sort. On me dit que mon dialogue va continuer pour gagner une formation pour mon nouveau gouvernement avec un accès pour l'agir et puis pour nous aller pour notre conseil électoral, pour nous aller vers les élections. Je dis à si le premier ministre Ariel Henry qui cherche un consensus, pour te diriger le pays, je dis à la pendant deux ans, nous avons couru là pour parler d'élections. Et tu as 120 jours maximum pour te organiser l'élection dans le pays, ça va arriver fait. Je dis à, pour monter un gouvernement, pour le gouvernement ça capable pour tes revendications masse là, moi je crois qu'il faut toujours chercher un consensus. Même lorsque il n'y a pas besoin de consensus là, il faut que tout le monde tombe d'accord. Mais il faut que nous accord minimal pour le mener le pays, pour la sécurité dans le pays, pour nous aller vers les élections. Ce n'est pas un poste en non gouvernement qui est important, mais changer le monde, ce n'est pas lui qui est important. C'est qui ça, Haïti, a bénéficié là-dedans. Mais nous-mêmes, en tant que structure politique, nous croyons que, je dis à la, le premier ministre, c'est lui qui est chargé le pays, c'est lui qui est mené le pays, il faut que lui tourne à jouer un acteur. Pour être capable de dégager un consensus pour le pays à pas tomber dans une crise sans fin. Parce que je dis à l'insécurité tricombable, la misère, grand goût et chômage tout dans le monde. Je dis à la, avec encore même plus gros banques dans le pays, nous devons saboter. Et nous ne savons pas qui côté bagage ça va aller. Et je vais demander encore, je vais faire un appel à vous, ministre, pour que nous tournions une jouer une classe politique là pour nous permettre qu'on crise ça, il finit, parce que nous-mêmes, en tant que citoyens, en tant que peuple, en tant que monde qui est dans la population, nous ne sommes pas capables encore, parce que le kidnapping n'a pas fait surface encore. Et qui ça dit? Rien. Moi-même, moi, je que je dis qu'il faut gagner l'élection qui fait dans le pays, mais pour l'élection faite, il faut que le premier ministre travaille sur la question de sécurité dans le pays, du DBN, acheter des matériels. Qui est capable de faire répondre à l'exactement de ce que jusqu'à présent, on ne peut pas demander à un monde qui a le pouvoir dans la main pour mettre le lion pour le bon place. Moi, je crois que tout ça que vous faites, c'est sur un temps pour nous joindre. Sur un compromis pour permettre de nous retirer Haïti côté l'IA. Dina fait gouvernement, on ne sait pas, ce n'est pas lui qui est important. Dina fait gouvernement, bicéphale, ce n'est pas lui qui est important. C'est qui ça, Haïti, a bénéficié dans ça. Moi-même, moi, je crois que je dis à qui c'est monocéphale, qui c'est bicéphale. Il faut que bon bagaille qui fait dans le pays, c'est que nous avons besoin de manger, nous avons besoin de travail, nous avons besoin de sécurité dans le pays. C'est lui-même qui doit à l'ordre du jour pour permettre d'aller dans l'élection pour gagner des élus qui sont capables d'aborder le problème ça, qui a une légitimité. J'ai un problème ça là, c'est son gouvernement qui a une légitimité qui pourra aborder l'emploi. Alors nous faisons appel avec un consensus, ce n'est pas la première fois. Essayer de réunion à faire, d'entendre, rencontre qu'à faire pour si Haïti a ceci dans la prison. Jusqu'à présent, c'est toujours la même situation. Qui ça fait ça? Est-ce que c'est manque de volonté bon côté acteur ou bien? Comment on peut expliquer ça? Si que c'était Haïti qui était en premier plan devant sa problème dans des raisons de l'IA, c'est parce que ce n'est pas Haïti qui est en premier plan, c'est des intérêts personnels qui motivent nous. Le jour que c'est Haïti qui motive nous, après là, ça arrive, le problème qui est là, la présence dans moins semaine. Puisque je dis à chaque nègre besoin de poste, chaque nègre besoin de position, le gouvernement a pris les modes pour ne pas perdre du poste et les gens qui sont en opposition ont tout besoin de poste. Mais puisque nous, tous les acteurs, identifient le problème, son problème poste, eh bien, fait partage à nous, nous pour faire partage pour nous-mêmes en tant que citoyens en dans le pays, pour nous retirer que nous avons un problème, ça nous est en dans le pays. Mais chaque monde qui a besoin de poste, et dénominateur commun d'aller Haïti. Mais moi-même, moi je crois que si que nous défendons poche nous,
gen yon million de goud, 2 million de goud nan bon chou, jodi a la on ek pase li kidnap, sa 2 million sa, sa 3 million sa iti nou. Men yon te gen doa gen 20 mil, 100 mil goud nan bon chou, wap viv nan yon peyi kote ke sekurite, avek 100 mil goud sa, nou konen ke tout moun nan Haiti depi yon moun kom nan men yon kapab investil, pou yon kapab multipliye. Jodi a, ou pa ka lan gran sud, ou pa ka ale lan gran nord, ou pa menm ka monte an Republik Dominiken, parce que bon crise d'insécurité qu'il a moi-même moi porter ces problèmes ça pour motiver nous qui Haïti nous voulons dans 5 ans qui Haïti nous voulons nous pays même des pays qui en guerre c'est pas ZAM qui campe la guerre c'est bien l'homme qui campe la guerre et nous un pays qui en crise seule façon pour sortir c'est dialogue qui pour gagner un dialogue sincère et puis chaque grand acteur a une volonté pour retirer Haïti côté il y a pas d'autre façon qu'à retirer si pas une volonté si pas une chita parler. Commissaire gouvernement au Cap Lamet et Edno Placide qui libère plus passé une dizaine de prisonniers dans prison civile au Cap Lan chef Porquer qui prend décision si là dans cadre lutte contre détention préventive prolongée et Guy Duvernay depuis au Cap pour plus de détails. Poursuite mobilisation employé à PNU pour demander libération directeur régional du roi Pierre Richard Joseph kidnappé samedi 17 juin 2023 dans capitale pays employé au camp de travail pour exiger libération pressé directeur Pierre Richard Joseph côté demandé pour autorité centrale capable faire diligence pour bailler directeur rapido presto APN. L'autorité portuaire nationale victime plusieurs fois. Nous prenons ça pour 7e atout que nous kidnappons. Et je dis, nous respectons ça, nous le code international, hein? Nous respectons le droit d'amour et pas de travail. Mais ça revient nous de loin qu'on appelle. Ouais. Je dis à son arrêt de travail, on s'estime qu'on appelle pour nous, vous aimez ça, il y a l'État central là pour nous dire, communiquer avec ravisseur pour libérer le directeur. Ouais. Et l'autre étape qu'on a fait. Selon vous, l'État central en communication avec ravisseur? Ah, nous-mêmes, nous ne parlons pas, mais nous t'évoyons, mais ça y va. Nous disons que nous avons des négociations qui ont fait, mais nous ne parlons pas dans quel niveau de négociation arrivé. Ouais. Mais nous voyons que hier, M. Vobio était kidnappé, il n'a pas pris attention avec lui. Donc, il a pris attention avec Pierre Richard Joseph, il n'a pas la guérite. Il n'a pas la guérite. Et nous, employés là, dans nos syndicats à PNK, que nous-mêmes, nous prenons la pouvoir pour nous dire que le message est clair. Ouais. Voyez, retournez, nous prenons au café, l'État central café. Nous carrions les ravisseurs au café, voyez, directeur Pierre Richard Bannon. Tout en que nous faisons mouvement hier, nous faisons mouvement encore matin, et tout en que nous faisons mouvement. N'a pas rappelé, ravisseurs exigeaient 1 million de dollars américains pour libérer directeur Pierre Richard Joseph. Syndicat employé à peine au cap haïtien, fait qu'on est, il n'y a pas maintenant un travail tout autant. Yo pa wè présence directeur Pierre Richard nan bureau li comme directeur vin travay normalement depuis Cap Haïtien Guino Duvernay pour TAC 509. San pi tande association nationale greffier haïtien yo ana qui annoncé là côté que yo prend trêve nan grève que yo té lancé depuis 7 mars 2023. Et yo vle rete en attendant pour gouvernement satisfaire revendication yo souhaite que autorité concernée tout attende la raison sinon yo va retourner en grève dans mois d'août qui va gen pour venir là. Martin Ené était dans micro pour plus détails. Et que suite avec plusieurs rencontres nous gagne avec autorité au ministère de la justice côté que ministre justice là maître Émilie Prophète Milsé qui m'a dit nous pour nous balayer une trêve de manière à ce que pour le capable lutter contre détention préventive prolongée et nous mêmes qui rappeler que c'est en nécessité pour y satisfaire avec demande nous parce que satisfaire avec demande nous c'est mettre en bout la discrimination qui gagne au sein du ministère de la justice. Et c'est by accès tout avec une justice capable plus accessible avec justiciable surtout pour ça yo cap poupi dans prison depuis un bon nombre de temps malgré nous connaît lutter contre détention préventive prolongée hein il pas seulement regarder ministère de la justice ou bien grève greffier hein mais nous prend ministre là au mot nous bal trêve là malgré nous connaît que je dis hein, pour lutter contre détention préventive prolongée ils sont paquet gens faudrait-il bien que gagne greffier gagne juge et gagne commissaire et nous connaît gon carence de magistrats
assis avec des bouts dans l'appareil judiciaire, là, tel que dans le tribunal première instance de Kay, qui n'a pas gagné même un seul juge. Est-ce que je dis, nous sommes capables de lutter contre la détention préventive prolongée sans que nous n'ayons pas gagné un juge? Est-ce que nous sommes capables de lutter contre la détention préventive prolongée sans que nous n'ayons pas gagné de commissaire gouvernement qui est honnête avec compétent? Et que nous souhaitons que l'autorité n'en prenne un niveau primature pour faire en sorte que pour satisfaire avec des manouyo pour adopter statut noir et publier dans le journal officiel pays hein, et pour renouveler mandat juge que mandat finio nommer juge côté que CSPJ qui traitait dossier environ 45 à 47 greffiers pour de nouvelles affectations dans magistrature là, soit dans niveau juge tribunal de paix avec dans niveau juge de siège et nous souhaitons que autorité yo n'a primature pour signer lettre ça yo pour greffier ça même yo capable prendre fonction dans nouvelle affectation que yo gagné yo et gain ça autour que yo souhaitait pour yo bail promotion comme si petit commissaire gouvernement nous souhaitons que premier ministre lui-même li signer lettre greffier ça de manière que pour yo capable reprendre dans l'autre nouvelle affectation que au même yo gagné. Et sur ce nous bail ministre justice là trêve ça de manière que pour li capable aller dans le conseil des ministres avec statuant et puis capable d'adopter et publier dans les moniteurs. Dans le cas contraire si ça pas fait dans les jours à venir ou bien au-delà du mois d'août là n'a pas gagné nous-mêmes pour nous reprendre grève là et si on bagaille que nous pas souhaité qu'on a rentré dans grève en répétition et nous souhaiter mettre un bout définitivement avec question de grève là mais c'est autorité eux-mêmes qui pour satisfaire nous avec revendication nous de manière à ce que pour grève là lui-même est capable de gagner un bout et pour tribunal yo capable fonctionner une année en plein plusieurs années en plein de manière à ce que pour tout le monde yo capable prendre satisfaction et pour pays lui-même est capable d'aller au bout parce que pour pays lui-même est capable d'aller on sauf parce que si la justice là n'est pas indépendante si nous pas gagné de magistrats qui ont pile courage qui pour lutter contre détention préventive prolongée hein? Si nous pas gagné de commissaire gouvernement qui ont pile courage qui intègre honnête et qui compétent qui pour lutter contre lui eh bien chaque jour c'est à plaver main sur à terre ou obtenir des grèves toujours à répétition dans l'appareil judiciaire là il est ça qui parle entraver question de bon fonctionnement appareil judiciaire. Et oui, nous avons une épidémie de choléra depuis avant moi qui augmente dans plusieurs zones dans le département nord-péen, en particulier dans la ville au Cap. Directeur départemental nord, ministère santé publique et population, Dr. Ernst Robert Jasmine, qui m'a dit avec population était vigilant. Pendant que il fait qu'on est, il prend toutes mesures qui sont nécessaires pour accompagner la population. Nous avons diverné depuis Cap-Haïtien pour plus de détails. Diverses communes dans le département nord a fait face à remonter choléra dans le pays, notamment commune Cap-Haïtien, Kankok et Latrier. Directeur départemental nord, ministère santé publique là, Dr. Ernst Robert Jasmin, mandé population pour faire un pile vigilance, mais tout beaucoup de paillots y a prendre des dispositions. Pour capable ouais comment yo capable couper remonter choléra qui a fait face dans pays d'Haïti docteur Ernst Robert Jasmin nous passons que à l'issue là yo qui pour ce choléra bien défini mais nous qui habilité nous demande bien si tu pour habilité à recevoir encore quelque chose que ça vous dit et nous avons dit que nous travaillons ici là, nous avons l'hôpital ici qui vient du service pour se voir ça. Et même en situation de grève, nous avons l'hôpital, le service de la vie, nous avons sans interruption. Donc, dans tout notre département, l'institution principale de notre département, nous avons une capacité pour se voir les termes de la vie. Donc, comme nous n'avons pas gagné, grande invasion du cadre et de la population, donc la phase de 6 jours, même si ça avait été parfois arrivé, en charge, parce que c'est cas que vous gagnez. Nous n'avons pas de distribution de masse, parce que nous-mêmes, nous avons cherché pour avoir permis un certain degré d'hygiène au niveau d'un système de 100 euros. C'est pour cela que nous avons des capacités longues pour faire une distribution de masse, mais de façon. Situation est avec les mêmes conseils à population pour pouvoir observer le dilution et pour pouvoir empêcher de l'attraper la maladie. Pour conseil dans la population, même si effectivement nous n'avons pas les gars, même si nous avons des informations, mais pour les gars là, effectivement, nous avons une population. Donc tout le monde, comme on l'a dit, c'est toujours conserver les mêmes mesures. Même conseil, le pouvoir d'impression qui nous rappelle la maladie de l'État. N'a pas rappelé. Malgré tout effort, si la yo beaucoup de ministère de santé publique dans le département nord, choléra
continue à faire rage dans diverses communes et insalubrité a augmenté chaque jour plus dans centre-ville cap-haïtien. Depuis Cité Christophienne, département nord au Cap, Guinot Verne pour TAC 509. Sans plus tarder, on a fait place avec Jonathan Scholl pour dossier sport. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la rubrique sportive ensemble avec Jonathan Charles lui-même qui a présenté nous. Actualité, nous allons parler des affaires Coupe du Monde 2023 à environ 29 jours. Mondial lui-même libre à commencer. Il y a Vladko Andonovski, monsieur qui a 46 ans, qui a entraîné la sélection américaine beaucoup de mesdames. Monsieur là qui mette liste 23 joueuses qui pourra jouer Mondial 2023. À nous garder l'Islam, trois gardiens, Aubrey Kingsbury, l'abjeune Washington Spirit, Cassie Murphy, l'abjeune North Carolina College, Gain Alisa Neller, l'abjeune équipe Chicago Red Star. Défenseur, Alana Crook, l'abjeune équipe Olympique Lyonnais, Crystal Dunn, l'abjeune Portland Tons, Emily Fox, l'abjeune équipe North Carolina College, Naomi Jigma, l'abjeune équipe San Diego Rivla, Sophia Welter, capitaine équipe Well Rain. Gento Kelly O'Hara, capitaine équipe New Jersey, mais qui rejoint New York Gotham. Emily Sonnet, capitaine Well Wright. Mita Terrio, Savannah DeMelo, joueuse Racine Louisville. Julie Hertz, capitaine équipe Angel City. Lindsay Oran, capitaine équipe Olympique Lyonnaise. Rose Leville, capitaine équipe Well Wright. Gento Christy Maris, capitaine New Jersey. New York Gotham, Ashley Sanchez, capitaine équipe Washington Spirit. Attaquant, Alex Morgan, capitaine équipe San Diego Wavela, Megan Rapinoe, capitaine équipe O'Hell Wright, Trinity Wadman, c'est joueuse Washington Spirit, Sophia Smith, capitaine équipe Portland Thorns, Alyssa Thompson, capitaine équipe Angel City, Gento Lynn Williams, qui est équipe New York Gotham. Voilà, c'est 23 joueurs qui pourraient représenter un champion en titre. Une sélection américaine qui est dans le groupe EIA, dans le même groupe avec la Hollande, Vietnam et puis Portugal. C'est dans le groupe ça, sélection américaine dans le même lié. On a parlé de football masculin, football transfert, il y a Ilkay Gundogan qui signe un contrat avec l'équipe Barcelona pour juste l'année 2025. Monsieur qui soutient l'équipe Manchester City qui est en fin contrat. Je viens à Barcelone en tant qu'agent libre. Mi-temps terrain allemand 32 ans. Je suis joué dans l'équipe Manchester City en 2016 pour arriver 2023. Je suis joué 304 matchs, 62 goals. Je prends 15 trophées et parmi 15 trophées, je prends 5 premières ligues. Si nous regardons une équipe Manchester City, des champions 2018, champion 2020, champion 2021. Et nous regardons tout Manchester City champion Premier League 2022. Et là pour 2023, nous voyons Manchester City qui a remporté Premier League là. Et parmi les trophées ça autour, nous n'avons pas y aller. Il y a tout Ligue des Champions. Il y a Gundogan et une pièce maîtresse équipe ça. Nous sommes équipe Manchester City qui a battu en finale équipe Inter de Milan. Ilkay Gundogan qui est parti en héros. Puis il rejoint Barcelone. Il signe un contrat pour juste l'année 2025. N'a toujours parlé dossier football de transfert gagné mi-temps terrain français à N'Golo Kanté puis rejoindre équipe Al-Ittihad là dans pays Arabie Saoudite. D'ailleurs, ce club Al-Ittihad là même qui a annoncé ça sur compte Twitter via un communiqué côté au souhaité la bienvenue avec N'Golo Kanté. Mi-temps terrain français 32 ans, je signe un contrat pour 2 ans. Yon année option en plus, 100 millions d'euros, monsieur pral touché par saison dans l'équipe Al-Ittihad là, monsieur qui pral jouer dans la même équipe avec Karim Mustafa Benzema, lui-même qui dans l'équipe Al-Ittihad là. Voilà, yon équipe, bon, nous faisons connaître de préférence, yon N'Golo Kanté, nous songez, monsieur te joué dans l'équipe Manchester City avec l'équipe ça, monsieur qui te remporté Premier League là en année 2016. Et monsieur qui était tout traversé dans l'équipe Chelsea dans l'année 2017. Et monsieur lui-même qui remportait 6 trophées ensemble avec Blouyo. Parmi 6 trophées, ça y est. Monsieur qui était prend Ligue des Champions 2021. Et le Chelsea tape champion même sous Manchester City.
Cup Champions équipe Manchester City a yon goal à 0 équipe Chelsea en pas de printemps y était profité à remercier N'Golo Kanté pour 6 ans puis lui même te fait de 2017 à 2023 dans équipe Chelsea y était remercié. N'a parlé des affaires football sanctions gagné Union Européenne Football Association une note y était mis de yo hier mercredi 21 juin yo profité sanctionné special round là n'a parlé de José Mourinho Manuel Dos Santos Félix monsieur lui même cap entraîner équipe AS Roma en nous li note là instance contrôle éthique discipline Union Européenne Football Association quoi prend décision ça aussi tout avec fanatique qui toujours dans match UEFA yo. Dans le match Séville face à AS Roma qui était joué 31 mai 2023, match là était joué Budapest, capitale pays Hongrie, était compté pour finale Europa League Conference 2023. Il a condamné AS Roma à une amende 5 000 € pour mauvais comportement qui était affiché. Nous demandons tout pour AS Roma contacter Fédération Hongroise Football là dans 30 prochains jours pour règlement. Cause des gars supporters AS Roma ont été fait et yo té crasé poubelle crasé vers été cassé un câble ensemble avec siège côté pour Munchita va faire sanctionner entraîneur principal là José Mourinho Manuel Dos Santos Félix pour 4 prochains matchs compétition club UEFA yo côté li pap capable participer suite à mauvais parole li té lancé ensemble avec arbitre central là qui c'est Anthony Taylor voilà si ça nous té capable li dans notre Union Européenne Football Association te mette de yo, yo sectionné et n'a pas rappelé équipe AS Roma et yo sectionné tout José Mourinho Manuel Dos Santos Félix les mêmes qui recevoir section et n'a pas songé tout que équipe AS Roma a perdu finale là face à AS Roma dans séance de tir au but. N'a toujours parlé dossier football cette fois-ci football transfert encore une fois bon nous faire comeback là et avec des informations de dernière date gagné équipe Arsenal là qui signé Kai Havertz lui-même qui t'a joué dans équipe Chelsea. Kai Havertz pour jouer la saison prochaine dans équipe Arsenal là et pour jouer la Ligue des Champions tout parce que équipe Chelsea lui-même nous connaît qui pas jouer une bien qualification pour jouer compétition européenne la saison prochaine bien là Mikel Arteta qui font gros coup qui renforcer en attaque équipe Chelsea lui-même est très bon au coup de la part du dirigeant Gunner avec Denis Fosson on a mis fin à la rubrique sportive là Jonathan Schall lui-même qui t'a présenté nous lui. Merci beaucoup Jonathan. Nous pas misé dans route, n'a jambé tout de suite dans international là côté que gayon escombri qui veut péter dans prison femme dans Honduras jour qui te mandi côté que gayon environ 41 femmes qui perdu la vie puis fonao ta brûlé dans du feu dans une violence qui veut faire dans prison que président a lagué sous do gang ça qui relé Mara qui en pile fois gagné tout en pile pouvoir en dans pénitencier yo puis fois victime yo ta mouri brûlé gagné nouvelle tout sous quête nan yo qui te prend coup de couteau tout dans la prison Tamara qui n'a environ 50 km à la partie nord-ouest capitale côté que Tegucigalpa d'après Yuri Mora qui se porte parole pour agence investigation police nationale en Honduras la presse locale t'est arrivé interviewer un prisonnier qui blessé lui dit que prisonnier ça qui c'est membre gang Malou qui les barrio 18 là il était rentré dans un bloc cellule elle t'a tiré l'autre prisonnier ou bien mettait du feu sur eux. De notre part, nous avons un secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui a annoncé 21 juin que les États-Unis pourraient envoyer 1,3 million de dollars d'aide en plus par l'Ukraine pour aider le pays ça, qui après un pile frappe dans le conflit, réparer le réseau énergie Lio, ensemble avec aider moderniser port Lio, rail train, ainsi que l'autre infrastructure. La quantité d'argent sur là, 620 millions de dollars pour aller dans aider Ukraine réparer réseau énergie yo et puis on a fait de 657 millions de dollars pour aider les moderniser passage frontière yo port yo et ligne train yo ensemble avec l'autre infrastructure important. Secrétaire d'État a averti que la Russie va gagner pour contribuer dans la construction Ukraine, ministre affaires étrangères allemand. Annalena Baerbock lui insistait sur nécessité pour connecter réparation Ukraine après guerre ça à processus
pour qui va rentrer dans européenne. Donc Baerbock, eh bien oui, il dit que Allemagne prend engagement pour ajouter 381 millions d'euros sous aide que l'Ukraine Ukraine pour assistance humanitaire à Nessila. Ministre Affaires étrangères français qui c'est Catherine Colonna, il fait connaître que la France tout a bâillé une valeur de 40 millions d'euros et 44 millions de dollars pour financer reconstruction urgente infrastructure et équipement de santé qui est vraiment important pour pays ça. Dans l'autre bois, nous gagnons pour finir. Vladimir Poutine qui c'est président côté que il dit que mercredi passé à ces nouvelles générations missiles balistiques intercontinentales Sarmat la Russie qui capotait 10 au soir plus tête nucléaire qui a dans position pour combat avant longtemps là. Dans un discours qui était fait devant nouveau gradué dans l'Académie militaire, Poutine insistait sur l'importance sacrée triade force nucléaire la Russie hein, que l'ICA lancé étant sous terre, sous la mer ou soit en l'air. Poutine déclare que le travail qui est plus important ici, c'est le développement triade nucléaire là, qui vraiment c'est une garantie clé dans la sécurité militaire là aussi. Ak instabilité mondiale la Poutine dit premiers outils pour lancer Sarmat yo ap nan position combat avant longtemps. Mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est là nous a mettre en bout dans journal nous pour jodi. N'a dit merci de faire que c'est un monde qui te gen chance regarder séance là. N'a bon rendez-vous demain. Au revoir, c'était amour René Demi quoi pour servir. Au revoir, à tantôt.